Allez, on est de retour à la pêche. Écoutez, fin de saison plutôt compliquée. On a essayé de pêcher en seconde catégorie pour l'ombre commun. Ça n'a pas marché. Je pense que c'est un peu tôt dans la saison. Là, on va essayer de finir bien en première catégorie. Voilà, on est sur une petite rivière, petit ruisseau là en pleine qui passe dans un village. Donc, on va essayer de faire de la truite, truite fario. On l'a jamais fait en fait à la mouche sèche. On l'a déjà fait plusieurs fois au leurre. On s'était bien amusé et on va essayer à la mouche sèche. Donc c'est parti, on va essayer de s'éclater, faire un max de fiches Carrément, allez go. et prendre du plaisir. Allez go! C'est parti. Là, Hugo est là-bas en un joli poste. Je vois que la blue donne. C'est un coup assez, assez technique quand même. Surtout la partie courante là qui est très très bonne, très propice. T'es pas dessus mais... Ah mais genre déplace-toi quoi. Ouh. Elle t'est passée à la mouche mais là, genre déplace-toi, fais l'effort tu vois. Bouge pas trop. Oh! Dommage! Il y a très très peu d'eau. On souffre encore de la sécheresse, même au mois de septembre. Tout ça là d'habitude c'est tout plein, surtout à cette époque. C'est triste, mais bon. On va essayer de continuer. L'eau reste froide donc pour les poissons, c'est encore bon. Petit changement de mouche. Parachute, on va mettre petite ouverture. On commence à avoir un peu de courant donc faut bien une mouche qui flotte haut sur l'eau, c'est ça. Hein. Ouais mais attaque l'autre là. T'as vu elle en peut plus là. Ouh, le refus. Incroyable. Cette action. Et elle est montée, elle a refusé deux fois, t'as pas vu? Yes, bien joué Hugo. Là on est en mode urbex, c'est assez marrant, un petit spot sous qui passe sous le village. Il y a quelques poissons qui gobent, c'est pas la folie, mais il y a quelques poissons qui gobent, donc ça fait plaisir quand même de revoir des poissons actifs. Hop là, superbe, elle est belle en plus. Bravo. On the wind,
On a 6 poissons de septembre. Yes. Bien doré. Allez, on lâche là. Wow. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy. Losing my direction. My bearings have me south of home. I've been wrong before. I was waiting in the undertow. Set adrift with fed away light bulbs. Unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. Yes. Yes, elle est belle en plus. Allez, chope-la, chope-la, chope-la. Oh, à l'arbalète les gars. Yes. C'est un beau poisson en plus. Hein. Incroyable, je l'ai vu nymphée les gars. Oh, elle est belle. Elle est montée sur une petite sèche. Magnifique. Superbe. Super poisson. Yes. Cool. Bon bah l'arbalète a plutôt payé parce que vous voyez il y avait un petit spot juste là-bas. Je vois un poisson nymphé. Je me suis dit bah je vais essayer de l'attaquer en sèche. Et au deuxième passage elle a réussi à l'intercepter. C'était pas facile pour ferrer. C'est un peu là. On n'est pas très très fort à l'arbalète donc pour ferrer c'est un petit peu approximatif. Mais là le poisson l'avait bien pris. Il faut surtout bien attendre que la truite retourne en fait dans l'eau. Parce que si on ferre directement on va lui arracher la mouche de la gueule. Et voilà un petit poisson dans un beau petit trou. Yes. Allez, le toboggan. Allez les gars, c'est la fin de cette petite session. C'était bien. Écoutez, cool. On a fait quelques poissons, c'était marrant. Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais l'eau était quand même assez froide, donc c'est assez rassurant. Ouais. J'espère que voilà, ça va continuer de pleuvoir et puis que les milieux ne vont pas en sortir trop souffert. Je sais que dans certaines régions de France, ça a été vraiment très très dur cette année. Très très dur cette année. Donc, bon, ah, voilà. Même pour nous, franchement, ça, là pour conclure la première catégorie, ça a été vraiment une des pires années. Ouais, ça a été vraiment une des pires années qu'on ait fait depuis qu'on a commencé la pêche. Hein, vraiment. Donc ça fait un moment quand même. Ça fait, depuis 10 ans, enfin au moins 10 ans qu'on pêche. Et genre vraiment, c'était vraiment la pire année. En tout cas, j'espère que. C'est quand même fait plaisir avec la petite canne. Ouais, avec la petite canne bien cool. La petite parachute dans le courant sur un petit milieu, petite rivière. C'était bien ça. Et puis on se retrouve pour la seconde catégorie. On va essayer de faire quelques petites vidéos en seconde 4 sur une grande rivière pour essayer de pêcher l'ombre, la truite en seconde 4. On sèche. Donc voilà. Allez, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao les gars. Allez, ciao.